Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Witcher. On commence le chapitre 3, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, le chapitre 3. Et aujourd'hui, on va tout simplement commencer à explorer ce nouveau quartier qui s'offre à nous, le quartier des marchands, si je dis pas de bêtises. Et puis, on va aussi tenter de revenir sur certaines zones qu'on a déjà visitées pour voir s'il y a de nouvelles quêtes qui vont se débloquer pour en rendre d'autres. On a notamment celle de Kalkstein à lui donner. Vous là, halte. Oui. Votre sauf-conduit. Mais il faut un sauf-conduit pour tout. Plaignez-vous au roi. Il est rentré? Non, mais tous les nouveaux décrets portent son sceau. Adieu. Ok. On crève de chaud là-dedans. Ok, le mec il te dit t'as ton attestation de déplacement, globalement c'est ça. Et tu lui réponds ça me fait chier. Il fait ok. Bon, si tu veux. En tout cas ça a l'air plutôt joli comme zone. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. Ça a pas l'air excessivement grand. Bon, en tout cas ça a l'air d'avoir à peu près la même taille que... que la zone précédente, le quartier du temple. Il y a l'air d'avoir beaucoup de monde aussi. Je ne voudrais pas avoir affaire à vos glaives. Oui. Pourquoi le roi n'a-t-il pas armé les guides? Ok. Il veut peut-être garder le contrôle de tous les hommes en armes. Là, il y a un noble qui fait un peu n'importe quoi. On a des affiches publicitaires. Je te récupère ça. J'appelle les gardes. Ok, c'est bon. Je vous laisse entre vous. Foutez-moi la paix. Alors, on est où? On est exactement ici. Demeure de la Dame de la Nuit. Manufacture, maison motrice. D'accord. Bon, écoutez, on va commencer par fouiller. Comme d'habitude. Puis on verra déjà ce qui se présente à nous. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Vers quoi ça va nous envoyer? J'ai pas l'impression que... il y ait des... des zones qui nous soient fermées pour le coup, donc on pourra revenir au quartier du temple et dans le marais qui aura certainement d'autres quêtes à nous proposer. Me l'a aiguisé, non. Je vais la reposer. Je voulais vérifier si on était plein ou pas. Et c'est le cas. Bon, le citadin. Qu'est-ce que vous faites là? Aucune importance. On les laisse tranquilles. Techniquement, s'ils n'ont pas de nom propre, je pense qu'on peut les laisser. Qu'on peut les laisser plus ou moins tranquilles. Ils n'auront rien à dire d'intéressant. Ils ont peut-être une petite ligne de dialogue, mais c'est tout. J'aimerais bien trouver un marchand aussi, parce que j'ai quelques affaires à vendre. Serviteur de l'ordre, porte de l'atelier. Beaucoup d'endroits où on peut aller. On va essayer d'être méthodique pour ne pas louper d'endroit. On a une manufacture. On a un alchimiste qui est là. C'est Kalkstein? Non, c'est pas lui. Je ne tolérerai pas un mot de plus. Mais t'es qui? Le catalyseur a fait son office. Nous avons évité l'explosion de peu, mais une fois de plus éclate l'incurie des maîtres éricaniens. J'avais le nez qui me démangeait. Attention, on ne plaisante pas avec la catalyse de la pyrite. Mais je n'ai pas éternué. Encore là? Ce dialogue avait aucun sens. Notre première rencontre, vous avez mentionné les maîtres éricaniens. À notre première rencontre, vous aviez mentionné les maîtres éricaniens. Je me suis acharné à résoudre l'énigme de l'acier en me fondant sur un livre éricanien inepte. Je l'échangerai volontiers d'ailleurs. Contre quoi? Du minerai de fer météoritique rouge pour mes expériences. Quel livre? Un livre zéricanien sur des substances explosives. Ça pourrait servir. Encore là? Mais j'ai pas ça. Sur quoi on va regarder. Je mets au point une pierre philosophale. Je partagerai avec vous l'or obtenu par la transmutation du plomb, avec, en bonus, la garantie d'une jeunesse éternelle. Dans ce cas, je repasserai chercher ma part. Il me semblait que j'avais de la météorite rouge. Oui, c'est ça, j'ai de la météorite rouge. Donc on va pouvoir lui donner direct.
Encore là ? À notre... Je me suis contre... Du mine... Hop. Ah, le minerai. Je vais peut-être pouvoir initier cette réaction. Bonne chance. Oh, désolé, voici le livre. Merci. Encore là ? Parfait. Sur quoi travaillez-vous ? Je mets au... Vous êtes sérieux ? J'enseigne à l'académie d'Oxanfur. Ils m'ont engagé pour améliorer la composition de l'acier utilisé par les armuriers. Il était trop fragile ? Trop cher ! C'est quasiment du fer, hautement contaminé de surcroît. Vous vendez des ingrédients alchimiques ? Je suis un érudit, pas un alchimiste. Je méprise les superstitions. L'alchimie n'est pas une science ? Foutaise ! La magie et l'alchimie disparaîtront de ce monde. Seule subsistera la science. Bon, on va dire que notre ami Kalkstein se présente comme un alchimiste. Mon ami Kalkstein se présente comme un alchimiste. Kalkstein ! Son babillage pseudo-scientifique en fait la risée d'Oxanfur. Avez-vous lu ses métamorphoses ? Ce ramassis d'inepties écrites dans une langue obscure pour camoufler l'incompétence de l'auteur. On va essayer le bluff. Les métamorphoses ? Pas mal. Avez-vous entendu chose plus absurde que cette codépendance de la substance ? Il parle de coexistence, pas de codépendance, c'est tout à fait différent. Kalkstein parle de coexistence, pas de codépendance. C'est tout à fait différent. Sa dernière phrase affirme que, dans le cas de substance, les termes codépendance et coexistence sont synonymes. Vraiment ? Je vérifierai ça. Ok, bon. On a reçu un livre, c'est déjà pas mal. Alchimie... Roi Eren, Huile de Krynfried. Ok, je crois qu'on est en train de débloquer les recettes pour faire des bombes. Et ça, c'est plutôt cool. C'est tout. C'était juste ce parchemin. Apparemment. Bon. On reviendra après avoir parlé peut-être à Kalkstein. Il aura peut-être quelque chose à nous dire par rapport à ce type. Et par rapport à ce qu'il affirme. Alors, pour l'instant, je prends tout ce qu'il y a à prendre, et après, quand on sera full, si on n'a pas trouvé de tavernier ou de marchand, d'ici là, on commencera à acheter le surplus. Alors... Donc ça, c'était la manufacture, on peut aller aux demeures de la Dame de la Nuit et les portes du quartier du temple. D'accord. J'essaie de repérer s'il y a des gens qui pourraient être intéressants à qui parler. Mais j'en ai pas trop l'impression. Là-bas il y a des gens. Il y a des gardes. On crève de chaud là-dedans. On va voir qu'est-ce que c'est. La Dame de la Nuit. Peut-être une taverne ? Des marchands, des courtisanes. Fille aux yeux bleus. Ok. Non, j'en ai déjà trop. Parlons à cette fille. Salutations, monsieur. Salutations, jolis yeux bleus. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Commençons par parler un peu. D'accord. Cassano recommande la conversation comme préliminaire. Oui, pourquoi pas ? Quel est votre rêve, jolis yeux bleus ? J'aimerais que la nuit ne finisse jamais. Pas un chevalier sur un étalon blanc et tout le toutim ? Je suis une fille simple. À défaut, on va poser cette question. Puis-je passer la soirée avec vous ? Avec plaisir, cheveux blancs. Mais vous devez faire un petit geste pour la demeure de la nuit. Disons 500 orins. Ouais, vas-y. Je paye. Merci. Suivez-moi. Il y a ce fantasme que j'ai toujours rêvé de réaliser. D'abord, les ablutions. Ensuite, le fantasme.
Toujours très charmant. Bon, bah, c'était une nouvelle carte à récupérer, c'est fait. Voilà. Bon, c'était facile. Oui, bon, je pouvais me permettre de claquer 500 euros. Hein. La perle aux yeux bleus de la maison close a une cicatrice intéressante sur le cou. On dirait une morsure de vampire. Ah! Ah! Ah, les temps sont durs! Intéressant. À travailler un temps, repos de l'endroit charmant. Intéressant. Finalement, ça aura pas été. Juste pour une carte. On verra demain. S'il y a quelque chose par rapport à. Par rapport à des vampires, il faudra revenir la voir. On est fermé. La dame de la nuit reçoit personne. Bon, au revoir. Ok. En même temps, une maison close qui s'appelle la dame de la nuit. Vampire, tout ça, ça peut être un indice assez gros. On reviendra plus tard, ce sera certainement une quête. Donc on va essayer de retenir ça et garder dans un coin. Restez à votre place, sorceleur. Mais elle va se calmer, elle. Parle mieux. Il est si raffiné. Bon, ici c'est pour retourner au quartier du temple. On ira plus tard. On va continuer à faire le tour. Un sorceleur, enfermez vos femmes. Oui, je veux pas. Je peux pas trop lui donner tort. Porte du cimetière. Petite porte de la tour de guet. J'ai lu petite tour de guet. Oui, c'est petit, mais. Est-ce qu'on a des gens intéressants par ici? Ouh, bah ça chaîne. Dégâts 7, 15. 6, 12. C'est mieux. Bah écoute. Voilà. Même si je l'utilise jamais, hein, on est d'accord, mais. J'adore quand même comment tout le monde s'en fout. Je me sers chez les gens. Ça passe nickel. La vodka aux herbes, par contre, j'en ai besoin pour faire les potions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger cette poire. Et je vais prendre ça. Et là j'ai une porte. J'imagine que c'est une porte qui permet de sortir par le bas et la petite place qui était. Hop, la liqueur de cerise qui était juste derrière le muret. Mais j'ai pas exploré tout le haut. Chasseur du roi. On t'a aidé toi. Est-ce que c'est le même? Je crois que c'est le même. Salutations, oui, sorceleur. C'est lui. Vous n'arrivez plus à quitter les faubourgs? J'ai reçu l'ordre de rentrer à Vizima. Le roi Foltest revient bientôt. En attendant, je récompense ceux qui éliminent les nuisibles. Les nuisibles? Les monstres. Vous en avez tué? On va d'abord ça, de demander d'où il connaît aussi bien les monstres, et après on demande qu'est-ce qu'il rapporte gros. Et ce sera. Dans nos quêtes à faire, mais je crois que lui ça s'affiche pas les quêtes, il faut bien retenir ce qu'il nous demande et le faire par nous-mêmes. D'où connaissez-vous aussi bien les monstres? Un héritage, un livre où tous les monstres sont répertoriés et représentés. Vous savez ce qui y est écrit? Dites-moi. Chaque monstre incarne un vice humain. Les dévoreurs, pour la gourmandise. Les vampires, pour l'alcoolisme. Et les scolopendromorphes? Je sais pas trop ce que c'est, mais je suis pas sûr de vouloir les croiser. Qu'est-ce qui rapporte gros? Un énorme loup est apparu dans les marais. Et les gens du coin accusent les Wyvern d'avoir enlevé leurs enfants. Les Wyvern ne s'attaquent aux humains que si on les provoque. Avec les gens du coin, on a que des problèmes. Ils doivent chercher une excuse pour tuer les Wyvern. Continuez. Demandez-moi. Ok. Adieu. Ok, il va falloir aller du côté. Du marais et du côté
Des wyvernes. Alors si c'est dans le marais, je sais exactement où c'est. Porte du cimetière. Alors, on va la laisser là. Pour le moment. Parce que si ça me ramène vraiment dans la zone du cimetière, pour l'instant on n'a pas d'intérêt à y aller. Un sorceleur! Enfermez vos femmes! Si j'étais à votre place, j'éviterais les gars. Plante inconnue, je vais pas pouvoir récupérer, citadine. Y'a pas urgence! J'aimerais bien. Verrouiller. J'aimerais bien un marchand. Verrouiller. En tout cas, c'est joli, c'est tout mignon. Vous êtes malade? Ah non. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Pourquoi ils sont en garde? Alors, une maison, on peut rentrer. Il y a des gens. Est-ce que vous avez des choses intéressantes? Pas vraiment. J'ai même plus de place pour ça. Ça non plus. Ce ministre okay. M'a intrigué. Voilà, j'ai une place pour les raisins. Alors, ménestrel qui intrigue des femmes. J'ai envie de dire Jasquier. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Collier en argent, objet de valeur. Ah, ça par contre, ça peut être intéressant. Hop, on va lâcher la pastèque. On va prendre ça. Ça peut servir de cadeau. Ou juste de revente intéressante à un marchand. Mais c'est tout. Pas grand chose à récupérer. Dans ce quartier, pour le moment, c'est... pas la folie. Les grognes. Qu'est-ce qu'ils ont, les gamins? Bah, des jumeaux, voilà. Là, on est sur des jumeaux. Pire en pire. Ah, ça, c'est intéressant. D'abord le feu, et maintenant un sorceleur. Ah. Je suis trop plein. Bon. Porte de la taverne. Oui. Génial. On va pouvoir se vider les poches. On va pouvoir prendre les... Ça, c'est dommage qu'on puisse pas lire les documents directement sur le tableau d'affichage sans... à s'encombrer de tout cela. Oui. Si tu veux. Effectivement. Noblesse oblige. Tavernier. Bienvenue dans mon humble établissement. Salutations. Que puis-je pour vous? Déjà, vider mes poches. Et après, on va parler. Bon, le fistec, on va enlever. Le miel blanc, on va écarter. Tout ce qui est potion, oui. Élixir inconnu, je vais poser. Je vais juste en garder quelques-uns, sait-on jamais. Les huiles aussi. Pierre aiguisée, c'est-il? Poussière de diamant. Pour l'instant, je vais poser ça aussi. Ça, je vais garder parce que c'est pour la fabrication. La graisse, j'en ai pas autant. J'en ai pas besoin d'autant. Ça là. Voilà, tac. Ça, c'est de l'alcool. Nous, en bouteille, on s'en fout. En attendant, je vais le mettre. Ça, c'est Tim. On va mettre celui en or. Et ça, on va garder. Ok. Alors, on va prendre un petit peu de nourriture. Un petit peu d'alcool. Prendre deux stacks d'alcool. Et ça, de nourriture. Hop. Et puis le reste peut rester là. On s'en occupera plus tard. Vous êtes différent. Vous impatientez pas. Elle vend de l'alcool et de la nourriture, ok. Logique, hein. Mais. C'est toujours bienvenue bien que ça va. Bienvenue dans mon humble établissement. Et à lui, on va lui poser des questions. Que puis-je pour vous?
Bah déjà, belle auberge, vous devez y accueillir des hôtes illustres. Belle auberge. Vous devez y accueillir des hôtes illustres. Oui, mais moins depuis l'instauration de l'état d'urgence. Vous avez d'autres clients intéressants? La curiosité est un bien vilain défaut. Mon défaut à moi, c'est que j'aime l'argent. Eh bien, on va te soudoyer. Oui. On avait un accord. Et puis, ça me dérange pas de parler de mes clients maintenant. Je vous écoute. Ça fait un moment que des types bizarres viennent ici. Les soldats font comme s'ils n'existaient pas. Je suppose qu'ils ont des écussons de la salamandre. Vous les connaissez? Vous les avez écoutés? Ils chuchotaient. J'ai pas entendu grand-chose. Ils ont bien dû dire quelque chose d'intéressant. Ils ont parlé d'un mot de passe pour entrer dans un complexe souterrain. Ou peut-être un atelier. Quel était ce mot de passe? Il y en a un qui a dit... Épine. Merci pour les renseignements. Au revoir. Bien. Et j'avais encore une question. Excusez-moi, je suis trop occupé. Tu occupes à rien du tout, là. Excusez-moi, je suis trop occupé. Acceptable. Tant pis. Patrick DeVries. Un sorceleur. On raconte que votre confrérie a disparu. Il s'en est fallu de peu. Je suis Geralt. Je préfère taire mon nom, pour respecter mon vœu. Si vous voulez, vous pouvez m'appeler Patrick DeVries. La rose ardente? En effet. Peut-être pourriez-vous m'aider. Comment? Ma sœur. Nous l'avons retrouvée inconsciente dans son lit. Un filet de sang dans le cou. La signature d'un vampire. Pas nécessairement. Après quelque temps, ma sœur a disparu. Elle a dû se métamorphoser et s'échapper. Si c'est une vampire, je serai obligé de... Commencez par la trouver, et par confirmer nos doutes. Ok, je pense savoir que sa sœur, c'est du coup la jeune fille aux yeux bleus. Et sinon, tu connais un certain Siegfried de Denel? Connaîtriez-vous un certain Siegfried de Denel? En effet. Comment va-t-il? Il va recevoir une promotion. Qu'est-ce qui lui vaut cet honneur? Il n'est plus le même. C'est le seul survivant du groupe de l'Ordre, massacré par les elfes dans les marais. Il est resté caché 2 jours durant dans la carcasse d'une vache. Quoi qu'il en soit, le vieux Egg de Denel, le père de Siegfried, lui n'aurait pas esquivé un combat contre les elfes. Ne le jugez pas. Peut-être en a-t-il appris long sur les tactiques de la Skoetel, mais cela n'effacera pas cette honte. Et où est-il? Il entraîne des recrues devant le siège de l'Ordre, dans le quartier du Temple. Bon, bah on lui dira un petit coucou. Même si on l'a un petit peu trahi. Oui. Mais ça, il est pas censé le savoir. Et oui, je vais chercher ta sœur. Très bien. Je chercherai votre sœur. Vous la reconnaîtrez sans peine. Nul ne reste indifférent à ses yeux azur. C'est une blonde élancée et de grande beauté. Ouais, ok, c'est elle. Je vais voir ce que je peux faire. Mais avant de lui dire, j'aimerais aller lui parler. Sans intérêt. Peut-être qu'elle a des choses à me dire. Maître Levarden requiert ton auguste présence à 6h ce soir. C'est ministrel, Marc. Ok, je viendrai à 6h, on sait ça aussi. Jaskier, qu'est-ce que tu fous là? Geralt, content de te revoir. Je ne suis pas d'humeur. J'ai promis un concert à ces bonnes gens, mais je n'ai pas mon luth. Voilà qui est ennuyeux. Geralt? Déjà, comment t'es entré dans le quartier des marchands? Comment es-tu entré dans le quartier des marchands? Affaire de renommée et de charisme. J'imagine mal les gardes de la cité, férus de poésie. Mais non, enfin, je me suis confié à un riche marchand qui m'avait engagé pour enseigner le luth à sa fille. Avec ses relations, il a insisté pour m'obtenir un sauf-conduit, afin de témoigner de son amour de l'art. Malheureusement, nous nous sommes quittés en mauvais termes. Ah ouais, tu t'es... T'as fait des choses avec la fille et puis ton employeur était pas content. Un jour t'apprendras. Et sinon, qu'est-ce qu'il a de spécial ce luth? Qu'est-ce qu'il a de spécial ce luth? C'est celui que Toruviel m'a donné dans la vallée des fleurs. Tu te souviens? Qui est Toruviel? Cet elfe des montagnes bleues. Tu lui avais cassé le nez. Où est-elle à présent? Je crois qu'elle a rejoint la Skoetel.
la vallée des fleurs. J'ai même écrit une ballade à ce sujet. Où le diabolo dit bonne nuit. Je la chanterai ce soir. Aucun souvenir. Attends, on n'a pas fini. Gérald ? Qu'est-ce qu'il a de... C'est celui... Ah, ça me revient. Bon, alors tu sais pourquoi je veux ce luth ? Ok, et il est où ce luth ? Où as-tu égaré ton luth ? C'est une longue histoire. Je n'en suis pas très fier. Un verre ? Allez, va. Va pour un verre. Et ben on va boire un coup, je vais prendre une petite bière. Encore ? Sans intérêt. Ça fait beaucoup de bière hein là. Je suis bourré. Ne sois pas ridicule. Gérald ? Toujours pas ? Qu'est-ce qu'il a de spécial ? C'est ce... Ah. Bon. Bon bah... Allez, c'est parti. Ne sois pas ridicule. Gérald ? Comment est... Affaire de René... J'imagine... Un an avec ses relations ? À plus tard. Oui, mais là, je suis bourré comme un coin. C'est pas ce que je cherchais à faire. Gérald ? Encore ? Je sais pas. On crève de chaud là-dedans. J'ai fait un coma. Ah ! Non, c'est bon, ça a déclenché. Ton côté ours mal léché. Tu veux pas me parler du luth par hasard ? Tu as trouvé le courage de me parler du luth ? J'ai laissé mon luth chez un riche marchand. Sa maison est sur le côté ouest de la place salée. Et je ne peux pas m'absenter d'ici. La foule attend. Et bon, je me doute hein, pourquoi il était réticent à m'en parler, mais on va quand même poser la question. Pourquoi étais-tu réticent à m'en parler ? Le marchand m'a surpris alors que je donnais une leçon à sa fille. Des leçons de quoi ? Du calme, Gérald. De musique. Non. Très bien. Je récupérerai ton luth. Magnifique. Bon, et sinon, on sait qui est ce marchand. Qu'est-ce que tu sais sur ce marchand ? À la vérité, il a des raisons de m'en vouloir. Qu'est-ce que tu as fait ? Sa fille et moi, nous sommes bien connus. Sans lui demander sa permission. Ben voyons. Heureusement, je la rends heureuse. Alors elle a caché le luth dans une malle à l'étage. Je tâcherai de le trouver. Ok. Tu as trouvé le... J'ai... Pourquoi étais-tu... Le... Des leçons du... Je n'ai pas... Non, ok, il ne veut rien me dire d'autre. Alors, on a des pugilistes là-bas qui pourraient être intéressants pour la quête... Moi j'aimerais juste peut-être un lit pour décuver. Excusez-moi, je suis trop occupé. Bon, alors, la serveuse. Je... Vous avez une chambre ? C'est 5 orins, prix d'amis. Eh ben vas-y. Explosez la tête. Je suis bourré jusque quand ? Bonne question. Allez, on va dire 3 heures. Je pense que 3 heures, ça devrait suffire pour retrouver ses esprits. Tu décuves, tu vas mieux. On a quand même bu pas mal de bière. Ça te chauffe. Non, c'est bon. Il tient la forme, Geralt. Tu fais que regarder. Alors, André. Ta mère aime sucer des nains. Ok.
Sympa les insultes. Avant, j'étais imbattable. Le grand espoir blanc. Hein ? Maintenant, je traîne dans ces coupes-gorges. Tout ça à cause d'un combat. Vous étiez un guerrier ? Un pugiliste. Les gens m'adoraient, les femmes, l'or. Et maintenant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les juges n'ont pas aimé les coups sous la ceinture. Ils m'ont disqualifié. Je vois. J'ai continué à me battre jusqu'au... Jusqu'au combat contre le lion. Il vous a... Un seul coup, terrible. Et j'ai compris que j'allais pas gagner. Depuis, je garde ma capuche pour pas qu'on me reconnaisse. Après le premier coup. Une vraie transformation spirituelle. Mais je te prends quand tu veux. Et si on pariait ? 200 or 1. Ouf. Une autre fois. Alors attends, parce que pour 200 or 1, je fais une sauvegarde avant quand même. Alors, parce que je veux bien payer 500 or 1 et avoir 1. Une carte. Mais 200 or 1 perdu comme ça, non. J'en suis. Parce que le pugilat, c'est pas ma grande force. Quelqu'un veut se battre ? Tu vas bouffer la poussière ! Quelqu'un veut se battre ? Allez. Putain, il me met des revers. Je garde à chaque fois, on met un coup, on garde. Ok, c'est passé. Ouf. Ouf. Ouf, ça doit faire mal. Ça doit faire super mal. T'as été entraîné par le lion ? Je suis le sorceleur qui a gagné. La ta récompense. Alors. Le signe magique et la pierre unique, de l'or, l'acier météoritique et la pierre unique. Je vais prendre l'acier et la pierre. Je vais prendre l'acier météoritique et la pierre unique. Prends et tire-toi. Ok. Ça c'est fait. Faudra trouver un autre adversaire plus fort. Bien. Bon, de toute façon, là, ça va être un épisode hein, d'exploration. On fera peut-être quelques quêtes par-ci, par-là. C'est de pire en pire. Mais on va surtout... D'abord le feu, et maintenant un sorceleur. On va surtout prendre les contrats et ce genre de choses. Trace le gravier, Cocatrix, Neptule, Ghoul, Kikimor et Wyvern. Oh, ok, beaucoup de choses. Alors, j'ai besoin de 3 fioles de jus d'Echinopyre. Je paierai Joseph le Geôlier, ok. Au nom du roi Foltest, le Burgrave Velerad offre une récompense à quiconque tuera 5 gravers. Leurs ossements devront être présentés comme preuve. J'ai besoin de 5 plumes de Cocatrix. Je paye bien demander le scribe de l'hôtel de ville dans le quartier des marchands. Le Burgrave Velerad offre une récompense pour les crocs des vampires que l'on nomme des Noctules et qui se trouvent dans Vizima. Afin de toucher la récompense, les chasseurs devront présenter les crocs de 3 Noctules. Un Noctule, j'en ai tué. Je crois que c'est des crocs là. Non, c'est des crocs de bêtes. Ah, je crois que les crocs de Noctule, je les ai vendus. Comme un idiot. Bon, c'est pas grave, on en retrouvera. Soucieux du bien-être, hein, nanana. Qui tuera 12 ghouls. Les fioles contenant leur sang devront être présentées au corps de garde comme preuve de leur mort. Et taverne de nouveau Kakarot cherche un fournisseur de. Karakort cherche un nouveau fournisseur de viande de viverne fraîche. Nous avons besoin de 3 portions. Donc, plein de contrats qu'on va lâcher par terre, parce que ça ne sert à rien. Voilà, voilà. Voilà. Quelqu'un les ramassera s'il veut. Moi, je vais aller faire ça. Quelqu'un vous a envoyé ? C'est la guilde qui vous envoie ? Personne ne m'envoie. Excusez-moi. Ils m'ont chassé de la place du marché parce que j'ai refusé de m'inscrire à la guilde. Tout ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez à offrir. Excusez mon jugement trop hâtif. Jetez un coup d'œil. Pourquoi tu t'inscris pas à la guilde, déjà ? Pourquoi ne pas vous inscrire à la guilde ? Quelqu'un veut prendre le contrôle de la guilde. Moi, je ne tiens pas à être contraint de donner des armes à certains, tout en refusant de faire affaire avec d'autres. Qui veut le contrôle de la guilde ? Quelqu'un qui a de sacrées relations.
Même les marchands les plus riches tremblent devant lui. On exige des armes en grande quantité. C'est forcément pour Jacques d'Aldersberg ou pour le roi. Il a... Ouais, des choses et d'autres. Ah, une armure. À 5000. 5000, ce serait pas mal d'avoir une armure. C'est un truc qu'on n'a pas du tout, mais... Pour le coup... Pour le coup, malheureusement... J'ai pas l'argent, bon. Bah écoute... Ah, et ça c'est la tour. Ok, c'est la porte qu'on voyait du bas. Ok. Parfait. Il ne manquait plus qu'un sorceleur pour compléter le tableau. On va continuer notre exploration. Que voulez-vous? Laissez ma fille tranquille. Mais je veux rien de ta fille. Je ne veux rien de votre fille. Je ne vous crois pas. Sortez de chez moi, espèce de bon à rien. Écoutez, brave homme. Dehors, ou je vous chasse moi-même. Je préférerais une issue plus pacifique. Du balai. Je ne vais pas me laisser insulter comme ça. Je vous prends avec un seul bras, corneau. Quoi? Bon, bah, on va le frapper, hein. Je suis pas sûr que c'est ce que voulait Jaskier, mais... Il n'est pas très très costaud. Soyez maudit. Allez-y, passez. Mais arrêtez de me frapper. Écoute, c'est toi qui m'as agressé. Moi, je voulais rien faire au début. Hein. La prochaine fois, t'y réfléchiras deux fois. Surtout quand tu vois que je suis un sorceleur. Soyez maudit. Mais je t'ai pas parlé, faut me la paix. Voilà, barre-toi. Bon, j'imagine qu'elle est en haut. Rosalind. Elle glisse un petit peu sur le sol, c'est pas grave. Qui êtes-vous? Geralt de Rive, sorceleur. Désolé pour cette intrusion. Vous êtes pardonné? Je m'ennuie terriblement. Depuis que papa a attrapé Jaskier, le troubadour... Personne ne me rend plus visite. Il a attrapé Jaskier, dans quelle situation? Il a attrapé Jaskier? Dans quelle situation? Il devait m'enseigner la musique. Un jour, papa est rentré du comptoir commercial en avance. Nous répétions la cantate « Les larmes d'un oiseau ». Papa est entré au moment du grand air. C'est une chanson obscène? Non, très belle et poétique. Mais papa n'a pas compris pourquoi nous répétions nus. Il est devenu fou de rage. Il est allé chercher une vieille arbalète derrière l'armoire à linge. Heureusement, il ne voit plus très bien. Oui, non, je pense qu'il a très bien compris pourquoi cette tenue pour répéter. Vous connaissez les derniers potins? Non. Papa ne me laisse pas sortir de la maison. Je suis là pour ça. Il aurait pu venir lui-même. Enfin... C'est peut-être mieux comme ça. Et puis, vous êtes pas mal. Je suis ici pour le luth. J'avais compris. Depuis que mon père nous a surpris, il n'a plus rejoué la sérénade sous mes fenêtres. Au fait, j'espère que vous n'avez pas brutalisé papa. Il va bien. Il va bien. Pourquoi devrais-je vous donner le luth? Après tout, Jaskier ne viendra plus me voir. Il est comme ça. Si je vous le donne... Il ira chanter la sérénade à une autre victime. Je sais qu'il y a une carte à avoir avec elle, donc du coup, on va lui sortir des arguments poétiques. Vous prouverez ainsi que votre tempérament, la beauté de votre âme, brille plus encore que le rose de vos joues. Ne me flattez pas! Je suis humiliée, mais pas stupide. Le poète s'est servi de moi comme d'une femelle en rut. Je veux me venger. Qu'il ressente ce par quoi je passe.
Je sais pas, la une. Ça paraît difficile. Alors il peut renoncer. Non, mais c'est bon. Ça alors. Ça alors. Ah merde. Bon. Petite recharge parce que j'aimerais bien avoir la carte. On va faire ça vite. Jasquier, tu m'emmerdes avec tes histoires. Alors on va refaire les mêmes choix. Hein, tu vois. Que voulez-vous ? Je ne veux rien. Je ne veux écouter. Dehors. Je préfère du bas. Je ne vais. Je vous. Voilà, blablabla. Bam. Et bam. Ok. Voilà, Geralt. L'histoire. Soyez. Voilà, par toi. Nous, on va en haut. Et on va lui parler. Qui est Geralt? Vous êtes. Il a attrapé. Il devrait. C'est une. Non, mais il est pas. On fait toutes les discussions avant. Vous connaissez. Non. Je suis là. Il aurait pu. Je suis ici. J'avais quoi. Il va bien. Pourquoi devrait. Il est comme. Si je vous le donne. Ah, et donc rendez-lui son lutte, ça prouvera qu'il n'est plus rien pour vous et que vous l'avez quitté. Rendez-lui son lutte. Ça prouvera qu'il n'est plus rien pour vous, que vous l'avez quitté. Oui. Il s'est jeté à mes pieds. Il m'a demandé en mariage, mais j'ai refusé. Oh, j'aurais dû sauvegarder avant. Je sais pas, jusqu'à la demande en mariage, pas très crédible. Pour récupérer le lutte. Maintenant, je peux récupérer le lutte. Un instant. Qui gagnez-vous? Pourquoi est-ce que vous l'aidez? C'est mon ami. Un ami? Venez par là. N'ayez pas peur, je ne mords pas. On m'a raconté que les caresses de sorceleurs sont spéciales. Bon, ben, je pense que là c'est assez clair hein, pour avoir la carte, c'est parti. Elle provoque un léger fourmillement. Quoique je dis ça, mais avec la. Avec la naïade, c'était pas ça. Hein. Non, c'était pas une naïade, c'était une triade plutôt. C'était plus compliqué. Les choix qui semblaient plus logiques ne l'étaient pas. Bon. Il est où son loot? Il est là. Hop. Donc on a récupéré deux ça cartes. Ce qui est plutôt pas mal et efficace. Je sais plus combien il y en a dans le chapitre 3, je regarderai. Pour être attentif. Bon, on va rendre la quête à Jasquier. Donc à faire, on est juste à côté. Et puis après, on va aller revoir la jeune fille aux yeux bleus pour l'autre quête. On aura certainement des choses intéressantes à faire et je pense qu'on sera bon pour cet épisode. On aura fait un peu de tout. Un peu de quête, un peu de découverte et de dialogue. Geralt, tiens, ton lutte. Voici ton lutte. Le concert peut avoir lieu. Merci. Ton concert, c'est quand? Vers 8h ce soir. Passe si tu veux. Si je peux. Ok. À 8h, on va essayer de pas oublier. Parce que entre le Varden qui veut nous voir à 6h et qui a son concert à 8h, ça fait beaucoup de rendez-vous dans cette taverne. Alors... Maintenant il faut pas que je me plante, je crois que c'était par là, puis après à gauche et tout en haut de la rue. Je vais être trempé. Ancienne forge. Il y a quand même tout ça qui est pour l'instant caché. Forgeron, goût de la ville, herboriste.
Ok, donc il nous restera quelques petites choses à regarder par là. Porte de Maribor. Ah, c'est pour aller au faubourg, là, d'accord. Et ici, donc ça va, on aura quand même pas mal exploré le quartier, on l'aura pratiquement fini. Dans le prochain épisode, on pourra le terminer. Et puis voir un petit peu ce qu'on va faire. Hop, le petit F5 qui va bien et on est parti. Oui. Votre frère vous cherche. Votre frère vous cherche. Je n'ai pas de famille. Vous êtes sûr ? Je suis ici chez moi, avec mes sœurs de la nuit. Je dois faire erreur. Oui. Bon, ben, la cicatrice. Quelle étrange cicatrice vous avez au cou ? Ça ? Ça ajoute au personnage. Je peux vous en dévoiler davantage. À plus tard. Bon. Youhou. En effet. J'ai quelque chose. Va la montrer au bordel. Pourquoi ? Ce n'est pas un... C'est la demeure de la nuit. J'ai de l'or. Je suis... Non, je... Tu dégages ! Ouais. Bon, je vais recharger vite fait. Si je voulais pas... Je voulais annuler en mode... Bah non, non, finalement je vais rien lui donner, mais... Ça n'a pas exactement fonctionné comme je voulais. Donc, on va juste parler à la fille. Puis après, on va dire à son frère qu'on l'a trouvé. Puis on va voir ce que la quête nous réserve pour la suite. Votre frère, je n'ai pas. Vous êtes sûr? Je suis. Je dois faire. Oui. Hop. Quel est trop. Ça, ça, je peux. Blablabla. À plus tard. Du coup, si je la sélectionnais, ce serait quand même plus simple. Yeux bleus. Voilà. Et donc on va retourner voir le chevalier. Je ne voudrais pas avoir affaire à vos glaives. J'avoue que tu vois un personnage qui se balade dans la rue avec deux glaives sur le dos, une hache sur un côté et un fléau sur la droite. Tu te dis, ouais, lui, on va peut-être pas trop chercher. Il ne manquait plus qu'un sorceleur. C'est de pire en pire. D'abord le feu, mais pas... Hop. J'espère juste qu'il me remet pas à chaque fois la cinématique. Sinon ça va être embêtant ça. Bon, bah, si tu veux, si ça t'amuse. Hop, petit F5. Je suis pas sûr de ce que je fais donc. Oui. Bon bah on va lui dire où est-ce qu'on l'a vu. J'ai vu une catin avec des yeux bleus au bordel. Ma sœur ne s'abaisserait jamais à cela. Aucun doute. J'ai vu des traces de canines sur son cou. Comment en est-elle arrivée là ? Elle doit être sous l'emprise du vampire qui l'a mordu. Ça se pourrait. Le vampire hante peut-être cette maison de tolérance. Aidez-moi. Je vais voir ce que je peux faire. Je dois découvrir si quelqu'un au sein du bordel exerce un contrôle mental sur la fille. Bon. On va aller voir. Pas du tout en mode aller-retour. Qu'est-ce que vous faites là ? Aucune importance. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on puisse passer. Hein. L'ancienne forge, ça attendra. Ok. Oui. Non. À plus tard. Il y a beaucoup de clients. Courtisane, riche marchand.
qu'est-ce que je vais faire? On va faire F5 et on va parler aux gardes du corps. On est fermé. J'ai quelque chose à montrer à ta maîtresse. Va la montrer au bordel. Barre-toi! Pourquoi? Ce n'est pas un Lupin. C'est la demeure de la nuit. J'ai de l'or. Je suis incorruptible. Allez, on va claquer 400. Je suis fait. Entre. Ok. Je vais être payé beaucoup trop cher. Je suis débordé. Sors la miséricorde, sors la miséricorde, dame de la nuit. Ok, c'est clairement des vampires. Bon. Ils ont pas l'air d'attaquer. Toujours peut-être parlementé. Ça va durer encore longtemps. Quelle sans-gêne. Pénétrer chez les gens sans y être invité. Impératif professionnel. Le Gérald de Rive que j'ai connu était un sorceleur aimable. Excusez-moi, madame. J'ai perdu la mémoire. Vous ne me connaissez pas. Mais je suis vos exploits depuis un moment. À quoi dois-je cet intérêt? L'homme que j'aimais vous appelait son ami. Il est mort en se battant à vos côtés il y a longtemps. Qu'est-ce qui vous amène? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? La reine de la nuit. Je réalise les rêves de mes clients, je les comble. Contre quelques menus monnaies? Je réalise leurs rêves, brièvement bien sûr. Et les rêves n'ont pas de prix. Bon, on va parler du passé avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous évoquiez le passé. Parlez-moi de votre amoureux d'alors. Je n'ai jamais dit que c'était un homme. L'important c'est que vous étiez son ami. Hélas, Régis buvait trop, ce qui a fini par nous séparer. Son vice faillit le tuer. Des paysans en colère le laissèrent pour mort. Après sa guérison, il vécut seul jusqu'à votre rencontre. Malheureusement, je n'en garde aucun souvenir. C'est sans importance. Je suis heureuse qu'il soit mort entouré d'amis. Bon, bah, on va parler du vampire. Un vampire s'est établi ici. Les marques sur le cou de l'une des filles en témoignent. De nombreux animaux bien banals laissent de telles marques. Le frère de cette jeune femme la croit incapable de travailler dans un bordel. Il la croit ensorcelée. Ne soyez pas naïf. Elle est traitée comme une princesse ici. Les clients dépensent des fortunes pour une nuit avec elle. Son frère l'avait promise à un vieil imbécile. Elle veut être une princesse de la nuit. Un fruit défendu éternellement ravissant. De quoi parlez-vous? Je l'ai senti en buvant son sang. Bah, ne me regardez pas comme ça. Oui, c'est moi le vampire qui hante cette maison. Mais je ne tue jamais. Le sang me stimule, comme l'alcool pour les humains. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais touché à une âme. Absurde. Mes filles et moi buvons le sang de nos clients. Nous n'en tuons aucun. Le sang paie nos services. Tout le monde est content. Et la fille aux yeux bleus? C'est elle qui m'a appelée, dans ses fantasmes. Elle aspirait à la liberté et à la beauté éternelle. Nous ne sommes pas des monstres. Faisons un marché. Une nuit avec mes filles, et vous oubliez cette affaire. Et si je refuse? Quelqu'un mourra. Vous, moi, la fille aux yeux bleus. Est-il juste de préférer la mort, même celle d'une vampire? Après, elles font rien de mal, hein, techniquement. Techniquement, ça passe, hein. Selon Geralt, ça passe. Gagné. Venez, mes filles. Dévoilons aux sorceleurs les charmes de la demeure de la nuit. Donc, je crois qu'on va avoir une troisième carte. Petit jumpscare là. C'est l'épisode des cartes. Trois à la suite là, c'est pas fait exprès. C'est au fil des rencontres. Traître! Je savais qu'on ne pouvait pas se fier à un sorceleur. Évidemment. Qu'est-ce qui justifie cette intrusion? Je vous ai fait suivre. Vous vous êtes unis à une vampire et vous mourrez avec elle. Personne n'est obligé de mourir. Acceptez votre châtiment! Vous n'avez aucune chance contre nous. Nous vous sauverons de cette emprise maléfique.
N'y voyez pas de sorcellerie. Votre sœur ne voulait pas passer sa vie à laver la vaisselle et à servir un vieillard aigri. Assez de mensonges. À l'attaque! Attendez. Miaou. On va dire la vérité. Hein. C'est vrai. Votre sœur n'est sous l'emprise de personne. C'est son choix. Vous venez de creuser votre propre tombe. J'en ai peut-être bien creusé une, mais ce n'est pas la mienne. À l'attaque! Alors, attends, c'est calme. Tac. À l'assaut! Je ne touche pas. Bon. Bon, je crois que vous avez compris. Je porte pas la rose ardente dans mon cœur. Ça m'arrange de les attaquer. Ah, on va l'aider parce que là, elle a l'air assez mal en point, la pauvre. Elle est morte surtout. Ça va, c'est pas le bordel, hein. Ok. Ok. Bon, t'as perdu deux dans l'affaire. Je regrette tout ceci. Ces hommes vous avaient promis de l'or. Je vous céderai une part de mes bénéfices. Et maintenant ? Les affaires reprennent. Nous devons juste nous débarrasser des corps. Et la fille ? Elle fera comme bon lui semblera. Elle n'était pas victime de sorcellerie? Il n'y a pas de cela ici. Mais passion et sortilège se ressemblent beaucoup. J'ai tué des humains, alors que je suis censé tuer des monstres. C'est un moindre mal, Gérald. Vous devez tout faire pour éviter le pire qui rôde dans les ténèbres. Oui, et puis c'était pas forcément les vampires les pires dans l'histoire. Alors on va se faire du loot, hein. Tant qu'à faire, la vodka, la chevalière, la fille aux yeux bleus. Alors attends, parce que... Hop. Tac, tac, tac. Et je crois que j'ai tout récupéré. On peut te reparler ? Vous vouliez me poser une question ? Non. Adieu. Est-ce qu'on peut lui parler à elle ? Non. Bon, j'imagine qu'on peut parler à la fille. Je n'avais jamais vu un sorceleur dégainer son glaive. Et je ne tiens pas à en voir plus. Votre frère est mort. Juste retour des choses. Cet imbécile a détruit ma vie. Pas de regret. Vous n'avez pas idée des horreurs que j'ai endurées avant de m'enfuir. Il ne vous fera plus de mal. Merci, sorceleur, pour votre humanité. De rien. Du coup, elle n'est plus là. On verra demain. Ok, donc il faut vraiment... Non, si elle est là. Qu'on peut récupérer sa... Oui, c'est ça, on peut récupérer sa carte quand même après la quête, si vous la tuez pas. Parce que j'imagine qu'il va y avoir une résolution où elle meurt. En tout cas, nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Des cartes à foison. On aura surtout avancé là-dedans pour ce chapitre 3. On a fait quelques quêtes. On ira voir Jaskier et César 30. On ira voir Jaskier. On finira d'explorer déjà un petit peu. Ici, il nous reste encore quelques... truc à voir, on aura notamment peut-être des marchands et ça peut être intéressant pour vendre un petit peu le bordel que j'ai, donc il y aura peut-être une ellipse sur le prochain épisode et puis on ira voir Jaskier pour son concert, on ira voir aussi Levarden qui veut nous voir à la taverne et on verra aussi ce que le jeu va nous réserver pour la suite et ce qu'il va nous demander de faire.
Sur ce, je vous laisse. J'espère que cet épisode vous a plu. Et puis je vous souhaite une bonne journée à tous. Et je vous dis à la prochaine.